Bonjour, coucou tout le monde, coucou, bonjour mes chers abonnés pour le flash du jour du 9 juin, je précise, juin. Alors, on a la joie avec cette carte, la carte I Ching 58 qui montre une femme en train de distribuer des fleurs avec un sourire aux lèvres. Vous voyez, il y a la joie. Il y a la joie, la notion de plaisir partagé. Là, on est dans la vraie joie. Je pense qu'il y en a certains qui vont connaître vraiment une belle opportunité, une belle information, un beau message, ou être, voilà, tout simplement bien dans son environnement, bien avec soi-même. Et avec la carte des rêves enchantés, le Normand, j'ai la loupe, la mort. La croix, la mort, la croix. En fait, c'est la mort de quelque chose. Je pense que c'est plutôt comme on est dans une énergie principale de joie, on oublie le passé. On met une croix au passé douloureux ou aux pensées douloureuses, au passé qui. Pour tourner la page, en fait, hein. On a envie de tourner la page. Hein. On a envie d'oublier ce passé lourd, ce passé qui nous a attristés, qui nous a mis à l'écart, qui l'enfermement, en fait. Hein, c'est ça. Hein. Donc là, on met fin à cette période pour passer à autre chose. À autre chose, à l'abondance de la joie, à l'abondance des sentiments, l'abondance de se faire plaisir et faire plaisir aux autres aussi, de partage. Il y a là vraiment la notion d'envie de partager. Il y a la loupe. La loupe, c'est chercher aussi, chercher à améliorer la situation, à chercher aussi à faire connaissance, à chercher aussi des opportunités possibles pour mettre fin à un passé qui ne correspond plus, hein, d'accord? Que vous voulez en finir avec c'est pas le passé, en fait, c'est une période lente, peut-être pour certaines personnes, une période stagnante. Et là, on met fin, on est à la recherche d'autre chose, à la loupe aussi, à l'information. Hein. On va chercher vraiment, tirer des informations entre les lignes. Hein, bien faire aussi, on vous dit aussi de bien faire attention s'il y a une proposition, de bien lire aussi, de bien lire les informations, d'analyser la proposition. Donc la loupe, c'est être vigilant demain. Et là, bah, vigilant aussi par rapport à une proposition alléchante pour certains. Voilà, je vous dis merci et à demain. Ciao!